Et pourquoi tu te venges? Parce qu'ils ont foutu le bordel dans nos bureaux. Bah ouais, c'est pas bien. On va faire un test barbecue. Non pas qu'on a envie de bouffer encore. D'accord, il n'y a pas de barbecue. Bien que. Quoi? Pas le barbecue. Non, je voulais juste faire un effet fumé. Ah. Premier jour de tournage. On arrive à la maison Chloé. Donc la prod a appelé. La prod a appelé, elle a annulé la séquence qu'on avait en changement de décor, la première qu'on avait dans les rues de Vic-la-Gardiole. Ouais. Et donc on remonte la séquence suivante un peu plus tôt et on attendra pour voir la si nuit. C'est possible de faire la nuit en fonction des conditions météo et de la sécurité. De la sécurité. De nos effectifs, enfin de leurs effectifs. Sécurité, ils sont un couteau. Il n'y a pas de problème. Que des solutions. On n'aime pas les problèmes. Ça part en boxe française. En boxe française, coup de pied retourné de l'orchestre. Dans la tête de Monsieur Rock. C'est là. La marque rouge, c'est là. Le beau profil. Je vais passer au make-up, faire un petit coca. Pour la suite du vlog. On n'a pas rentré la journée, alors elle est un peu dégoûtée. On le fait. On va le faire, on va avoir une heure d'attente. Là. Il faudra trouver une solution si Maïel il a la canne, le parapluie. Et la tablette. Tu sais, il est on va lui dire, mettre. Je pense qu'à un moment, tu sais, on va faire, on va lui mettre le petit chapeau. Le chapeau parapluie. Le chapeau parapluie. À la Gogo Gadget. C'est drôle de lui proposer ça. Il aimerait. Il va kiffer. Je suis trop contente parce que je voulais absolument mon petit plan Top Château. Et je l'ai. Ça va être super. Celui-là, là. Il a dit piscine. C'est cool. Une couleur piscine, ça. Piscine, il veut pas trop. Là, t'as du jaune, là. Je vois du jaune. Alors, le problème d'aujourd'hui. Attention. Il n'y a pas de problème. J'aime pas les problèmes. Il n'y a pas de problème. J'aime pas ce mot. Non, le petit truc d'aujourd'hui, c'est que déjà, bon, il est quelle heure? 13h30? Non, 14h20. Et nous allons commencer la journée. Pourquoi on commence si tard? Parce que nous avons des séquences de nuit. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Sauf que la météo n'est pas très 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 bonne. Et nos séquences, cet après-midi, sont en extérieur. Et ils ont prévu de l'orage. Et donc, peut-être qu'on ne va pas pouvoir tourner, on sait pas. Oula, il y a du vent partout. Donc, voilà, je me prends des gouttes. Ça y est, il pleut. Putain, merde. Oh là là. Bon, alors là, on avait deux séquences en extérieur déjà là. On va pouvoir les mettre en intérieur. Il va falloir que je refasse toute la mise en scène. Que je voilà. Que je revoie tout, mais c'est possible. Mais les autres, impossible. Alors, comment ça se passe? On va se marrer. Bon, c'est quoi le problème aujourd'hui? En face. Ouh. En même temps, sur une séquence piscine, c'est peut-être pas grave d'être payé. Voilà, nous avons fait nos deux petites séquences intérieures qui devaient être à l'extérieur. On s'en sort pas mal, il ne pleut pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Nous avons donc au menu, nous avons une autre petite séquence extérieure, et là, qu'on ne pourra pas mettre en intérieur s'il pleut, donc on croise les doigts et les fesses. On va pas passer une heure là-dessus. Pourquoi tu veux pas le mettre? Pourquoi tu veux pas? C'est chiant, franchement, j'aime pas. Mais on te demande pas d'être beau. Bah oui. On te demande de foutre une poubelle. On a fait gaffe, celui-là, tu touches à son. Ouais. On veut bien jouer. C'est déjà beau, le beau, il est là. Non, mais parce que après, tu touches le téléphone, normalement, tu dois avoir l'écran, sinon ça te fait des empreintes. C'est lui qui touche. Si, mais pas moi, je mets app. Tu touches le téléphone. Non, rigole. Fais ce que tu veux. Elle est gentille. Bravo. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être casse-couilles spécialement? Mathieu, il me regardait, je fais bon, on y va. Je dis à Mathieu, bon, on y va ou pas? Mathieu, il me regarde. Mathieu, il me regarde. Je dis, il était mort de rire. Je te dis, il était avec nous. Oui, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la. C'est Mama Bien qui est dans les blagues. En premier, c'est Mathieu. Mais tu vois, ça a marché. Tu m'as balancé. On y va ou quoi? On fait quoi alors? On fait le plan. Si on refait la première. Bah, c'est ça. Bon, voilà. Alors, nous avons fait une séquence. Alors, je vous explique. On a commencé une séquence où il pleuvait pas. Et après, il s'est mis à pleuvoir. Donc,
ce qu'on a fait, c'est qu'il on, tout ce qu'on avait déjà filmé, il a fallu qu'on le refilme avec la pluie. Parce qu'il y avait les rues qui étaient mouillées, les vêtements qui étaient mouillés, tout qui était mouillé. Donc voilà. Ça raccordait plus. Ça raccordait plus. Comme on a la script là qui a raccord, Anissa. Raccord. raccord. Raccord, contrôleuse des raccords. Ouais, hein. Voilà. Et ben, il a fallu qu'on refasse tout depuis le début. Voilà. Mais on y est arrivé. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va tourner la dernière séquence de la journée alors que nous entendons l'orage qui arrive? Suspense. Au prochain épisode. Quand même. Ah ouais. Ouais. J'aimerais trop parce que c'est une cascade. Dans la rue, la nuit. Ouais. Hein? Mmh. Oh, on m'a dit que j'étais chaussée au moine. Chaussée au moine. Pour les lorettes. À toutes les lorettes qui à nous toutes écoutent. Les lorettes, c'est les lorettes tôt. Les lorettes. Les lorettes. Les lorettes. Les lorettes. Les lorettes. Bon, bah. On peut pas faire la dernière séquence parce que il pleut. C'est con, parce que c'est une belle cascade de nuit. Je suis triste ou net, mais c'est trop dangereux. Bon bah voilà, hein, c'est comme ça, hein. On va rentrer à la maison plus tôt. Toujours prendre des chaussures blanches. Qu'est-ce que vous faites? Toujours, comme ça, t'es bien dégueulasse et on donne l'impression qu'on est des vrais techniciens. Regarde-moi là, ce carnage. Coucou petit chouchounou. Alors, on veut jouer dans la série? En tout cas, papa, il a pas l'air d'avoir envie. Allez, Samy, allez, Mayel. Il faut y aller maintenant. Tu gâches tout. Aïe. Ça me fait flipper, hein, moi. Hein. Parce que je prends la foudre avec la perche, je suis foudroyé, moi. Ouais, on va tourner avec la pluie. Je veux bien que tu restes à côté de moi. Ne perche pas. Pour une fois, on aura un cadre propre. Oh l'enfoiré. Ça, c'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Attends. Pour une fois, tu seras une lumière. C'est tout noir, là-bas. C'est tout noir. On va se dépêcher, parce que la lumière, elle est super. Et peut-être qu'on va se prendre la pluie et la foudre. Attention, tracteur. Tracteur. Action tracteur. Stop. Stop. Ouh, ça fait du bruit. Merci. La barre est claire, elle est là. Ça, c'est les pessimistes. Ça, c'est les optimistes. Ça, c'est les pessimistes. Pessimistes. Ça, c'est les optimistes. Optimistes. Bon bah ça y est, il pleut. Mais bon, là il y a toujours du clair, du noir. Bah là il fait tout bleu. Là il fait tout noir. Comment perdre du temps quand on n'est pas en avance? Non, c'est d'aléas. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire contre la météo. C'est cool parce que tu vois, il y a du ciel bleu là-bas. C'est beau, hein. Ah, si c'est beau, faut tourner là. Bah ouais, c'est beau. Tu fais du jardinage, Arnaud? Qu'est-ce que tu fais? J'enlève un peu de. J'enlève un peu d'herbe sèche. Pour pas que nos comédiens marchent dessus quand on tourne. Pourquoi? Bah sinon, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc voilà, un petit clean. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait mon jardin, donc. Ça te manquait? Bah ouais, il fait beau là, c'est vraiment le moment. C'est sympa. Bah ouais. Et voilà, pour le son, qu'on entende bien ce que les gens y disent. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the Non. Lâchez votre arme. Tout de suite. Police, qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous. Hé, hey, lâche ton arme. Your way, I will stay right here beside you.
Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais sur ce tournage? Alors, je suis Arnaud Julien et je suis ingénieur du son. Et ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à utiliser ce matériel qui permet en fait d'enregistrer tous les comédiens sur des pistes séparées. J'utilise une petite remote qui me permet de mixer en temps réel, comme ça, avec mes petits doigts. Je sais pas si on les voit bien. Ouais. Voilà, donc je pousse les petits faders. Les petits boutons. Les petits boutons pour faire en sorte de bien entendre les comédiens. Donc j'ai des HF sous les doigts et j'ai des perches aussi. Ouais. Et ça me permet de pouvoir livrer un son qui soit intelligible et utilisable par la post-production. C'est quoi un HF? Un HF, c'est un micro qu'on place sur un comédien. Ok. Et qui permet de bien entendre le comédien plus près que la perche. Et la perche, c'est quoi? Et la perche, c'est un autre micro qu'on met au bout d'un espèce de bâton. Ouais. Et qui permet d'entendre d'une autre manière les gens qu'on perche, donc les comédiens. Ok. Voilà, on utilise ces deux types de micros qui sont un peu différents, mais qui permettent une certaine complémentarité dans la prise de son. Et parfois, quand il y a des problèmes, un avion qui passe, des cigales, des oiseaux, la mer, des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, il faut faire. On est un peu obligé de. Ouais. Soit on refait, soit ça peut se. Voilà, bah, le but du jeu, c'est malgré tous ces petits inconvénients, arriver à faire en sorte que la voix soit très intelligible, qu'on l'entende bien, effectivement, et qu'elle soit surtout exploitable par la production. Parce qu'on peut avoir des bruits, ouais. Mais il y en a un certain nombre qu'on peut enlever. Ok. Voilà, donc il faut savoir lesquels et comment, ce que ça fait une fois qu'on les a enlevés. Ok, bah merci. Bah, je t'en prie. Deep in the heart. Qu'est-ce que tu fais sur la série? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais sur la série? Eh ben écoutez, moi je suis opérateur tabouane et cadreur, donc j'ai cette machine que je porte et je fais du petit cadre sur cette magnifique série. Et là pour toi. Ça fait longtemps en plus que tu es là. Oui, mais depuis mai 2016, depuis le début de la série. 2017. 2017. Ouais. Ah bon, moi j'ai. C'était 2017. J'ai vu 2016, je crois, sur les photos. Non, c'était 2017. Ouais. Ah mais non, mais moi j'étais sur les essais. Ah, c'est pour ça. Et après on a fait des... Ouais, ouais, mais oui, nous on se connaît depuis un moment déjà, ouais. On s'est suivi. Et donc ça, et tu voilà. Le mets sur toi? Eh ben oui, je porte cette machine. C'est lourd? Ça fait 25 kilos tout compris. Non, sérieux, c'est vrai? 25 kilos, ouais. On a pesé. Là. Et t'as un entraînement spécial? Non, je bois beaucoup de bière. Non. L'avantage de ça, c'est que c'est bien réparti et du coup tu l'as. Mais bon, c'est vrai que sur les débuts, t'as quand même assez mal au bas des reins. Ouais, c'est des muscles que t'as pas l'habitude de travailler. Et là tu les réveilles. Mm. Là, les trois premiers jours, tu les sens. Et maintenant, tout va bien. Mais comme c'est bien réparti, je te dis, c'est plus équilibré que d'avoir la caméra à l'épaule. Mm. Tu sais, des fois, t'es un peu dans des positions un peu. T'es toujours sur un côté tout ça, parce que là c'est quand même assez pratique. Merci. Ça se prépare, on est un peu en retard là déjà. Un peu en retard? Ouais, on est un petit peu en retard. Pourquoi? Et hier on a changé le planning un petit peu de la fin de semaine, donc on essaie de tout mettre à jour. Et on récupère la cascade. Ah oui, c'est vrai! On a pas, je l'ai pas dit ça, la cascade. La cascade. Enfin, c'est pas fini, on n'y est pas encore. Ouais. Faut pas mes affaires, c'est la panique. Salut la journée! Tiens, j'ai le surligneur, j'ai trouvé. Merci. Je suis en train d'écrire sur la feuille de service les timings de chaque séquence. Donc tu vas pouvoir voir que t'as qu'une heure pour faire cette séquence. 1h10 pour celle-ci, c'est grand luxe. Pour essayer de tenir la journée et de faire ça, de terminer dans les temps. Pourquoi je trouve pas notre journée? Alors, on est encore au domaine. Première séquence, 1h30, c'est grand luxe. 1h20? Ah mais pourquoi ça m'indique ça là?
Effectivement, tu vois, j'ai voulu être sympa, mais lui, il est pas sympa. Et enfin, il va falloir s'y tenir parce que depuis le début, tu regardes pas trop cette feuille. Voilà. On va faire remarquer. C'est temps de se baser un petit peu là-dessus. 11:35, hop, 13:30. Ah non, au déplacement avant. Elle va pas avoir refait de jour à jour. La dernière fois, elle les a refait sans qu'on dise rien. C'est trop tard. Oui, mais je lui ai dit, je suis sûr qu'elle l'a fait. Sais. Elle est super, notre troisième assistante. Je suis sûr qu'elle l'a fait. Et après, on mange. Ah, ça c'est bien ça. 14:45. On va manger tard. Attention, la journée continue. Qu'est-ce qu'on fait après? Petit coin bucolique. 17h15 et fin de journée, 18h15. Salut Camille. Coucou. Super projet. Comment ça va? Ça va. Donc Camille, hier, elle a crevé en rentrant. Non. Petite. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais sur la série depuis combien de temps et tout et tout? Alors j'ai commencé sur la série en 2017, j'étais figurante, j'étais flic au commissariat. En même temps que moi. En même temps que moi, tout à fait. Et là depuis bientôt 3 ans maintenant, je suis chef de file. Ouais. C'est-à-dire que je gère la figuration, je les réceptionne, je vérifie qu'ils aient bien signé les contrats. Et après je les aide sur les plateaux avec la mise en scène, à les placer, à faire des top départs, des animations en fait. Voilà. Cool. Et ça te plaît? Ouais, j'aime bien. En plus on a des décors qui sont quand même magnifiques. Qui sont là, quand même beaux. Ouais. Ouais, donc ça c'est chouette. C'est cool. Bah ouais, on avait commencé ensemble au commissariat. Mais carrément, c'était trop rigolo. C'était trop bien. Surtout de se retrouver là, c'était ouais. Inattendu. C'était trop bien. Cool. Mais c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une bonne vie de réalisatrice. Bah merci, c'est cool. Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais sur la série? Eh ben, je suis Lucie, je suis assistante en régie sur Domaine de Repartir. Et alors, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à s'occuper du confort de tous les techniciens, tous les comédiens, faire en sorte que le tournage se passe pour le mieux, amener du matériel, amener des gâteaux. Des gâteaux, oui, des gâteaux. Et puis, anticiper tous les problèmes éventuels qui pourraient arriver. Ouais. Comme la pluie ou des trucs voilà, comme ça, voilà. Comme on a eu hier. Mettre à l'abri, protéger le matériel et faire que votre journée se passe pour le mieux. Ah, trop bien. Et elle se passe pour le mieux. Merci. Avec toi. Merci beaucoup. Est-ce que on est au maximum de puissance là ou pas? Oui. Le premier réveil, je vais aller tout seul à 6h. Et bonjour. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Vous allez voir, on enverra alors des images du dernier plan où on fera tout pour qu'elle pleure un peu. Quel âge ça peut être? T'es larmichette. Franchement, c'est quoi? À mon avis, t'as pas besoin de faire quelque chose que je vais pleurer toute seule. Sinon, non, c'est de des larmes de joie de plus vous voir. La délivrance. Ah. Je crois qu'il a pris des cours de kickboxing. Si jamais on n'arrive pas à te faire pleurer. Bim. Dernier jour. D'accord. C'est passé trop vite. C'était trop bien. De la mort. Bonne chose en tout cas. Salut les Laurettes. Ah, pas mal. On dit les Laurettes. Les fans de Laurie, c'est des Laurettes. Les Laurettes. Sinon, on avait pensé aux Lauriennes si c'est des saucisses. S'ennuyer, hein. On s'est bien ennuyé sur cette session. On n'a pas du tout rigolé, pas du tout. Et tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais sur cette série? Je joue avec des projecteurs pour que ma réalisatrice soit heureuse. Voilà ce que je fais. Non, tu fais des belles lumières, hein. Regardez-moi ça là. C'est de l'art, c'est un tableau. C'est... Concrètement, ça veut dire quoi? Que tu cales les lumières? Je m'occupe de régler les lumières, les projecteurs, par rapport à la séquence qu'il faut faire, par rapport au scénario. Donc j'ai toute une équipe que je gère, au niveau des cadreurs, au niveau des électros, voilà. Donc je m'occupe de tout ça pour que ce qu'on ait à faire, ce soit correctement produit, pour que la réalisatrice soit heureuse. Et moi je le suis. Et voilà. C'est quoi les trucs que tu tournes tout le temps? Donc, là ça, c'est deux commandes de diaph
qui sont faites pour ajouter ou diminuer le diaphragme qui permet de laisser passer la lumière. Voilà. Donc là, plus tu tournes, plus ça peut être clair ou plus foncé. Et plus ça peut être en surexposition ou en sous-exposition. D'accord. Ça, ce sont mes outils qui me permettent de savoir si jamais mon capteur est correctement nourri par la lumière ou pas. Si c'est acceptable pour une diffusion. Pour voilà. La télé. Pour la télé. Parce qu'on fait de la télé. Eh oui, on fait une quotidienne. Bon, super. Bon, merci. Et attends, non, ça fait combien de temps que tu es sur la série ? Je suis sur la série depuis juillet 2017. Et c'est qui ta réalisatrice préférée ? Ben, c'est Laure. C'est une fin de journée, fin de session. Merci beaucoup. Et moi, je voulais juste vous dire un grand merci parce que c'était une grande première pour moi. J'ai passé des moments magiques. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Et je voulais vous remercier d'avoir accepté de faire partie de mon équipe pour cette première parce que c'était pas évident. Et c'était risqué aussi, et voilà, vous avez tous accepté, et ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, ça a été une grande première pour moi, qui restera gravée à jamais là-dedans. Et j'espère vraiment le début d'un nouveau chapitre. Et merci pour vos sourires, merci pour votre bienveillance, bah, merci pour tout en fait, parce que c'était juste génial. Voilà. C'est bon, la pleure. Zoom sur l'orme, on voit les larmes. Sur les larmes. Les larmes de Minuit 50, fin de journée, merci tout le monde.